Lucie, je voulais te dire que j'étais très heureux de t'avoir rencontré, que j'ai découvert une fille fragile et sensible, et surtout, il ne faudrait jamais que tu perdes ça. Et je voulais dire principalement que je t'aime. Tu peux pas. Si tu peux. Laissez parler vous, votre cœur, laissez parler... des choses qui sont proches de la fin et qui repartent et qui... Et là, je reviens... Ah, si elle peut pas. Hein? Allez-y, allez-y. Et vous penserez à ça, de ce qu'on a fait ce soir, demain aux Évals. C'est un petit moment à passer, mais après, voilà. Une fois qu'on est dedans, c'est parti. Vas-y, Lucie. Vas-y, bats-toi. Cherche les mots, cherche les phrases, mais ne te cache pas. Je ressens trop ce qu'elle ressent. Je sais, mais il n'y a que là. Je ne parle pas d'amour, je vous parle d'une amitié forte qui existe même entre vous tous, là. Et voilà, je crois que demain, on peut, comme disait Oscar, rendre visible ce qui est invisible. Non. D'accord, rendre un être à qui vous avez envie de dire je t'aime, le rendre visible là tout de suite. Mais moi je veux que vous partiez demain aux évaluations avec l'émotion que vous aurez partagé le temps de ces deux phrases et le temps de dire à cette personne je t'aime. Greg. Déjà, voilà. C'est faux. Ça, c'est affreux. Non, j'arrive pas. Elle cherche ses mots. C'est quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments et c'est tout à fait normal. Et voilà, il faut que ça sorte. Non. Vous serez confronté dans la vie à dire à quelqu'un je t'aime. Forcément. À un proche, à son chéri, à son amoureuse. Ouais, ça s'impose pas. Tu le dis comme tu le ressens sur le moment. Il y a bien un moment où il faut que tu lui dises. Non. Si tu lui dis pas, bah écoute, je sais pas, mais il y a bien on le prouve par des actes, mais il y a bien un moment, il va falloir que tu le dises. Tu ne l'as pas, tu... Bon, on fait, ensuite, on verra votre exercice. Vas-y, on y va. Ça va aller, c'est bon. Il n'y a pas de honte à avoir. Greg. Quoi, de me faire rire aussi. Non, c'est bon, tu y arrives. Voilà. En plus, ces rires-là, elles se cachent derrière ça. Mais oui, non, mais bien sûr, mais ça de... se voit. Là, tout de suite, c'est grand. Ça se voit. Et c'est normal. Et je ne mets aucun coup de pression. Oui. C'est rare pour moi de... Mais dans le c'est vrai, oui. Mais je suis toujours en train de... Mais ça prouvera la sincérité de vos mots les uns par rapport aux autres. Et demain, de comprendre la chanson de Lara Fabian, Je t'aime. Non. Hors de question que j'ai ce truc-là. Allez, on y va. C'est sa dédicace. Il est 10h20. Ouais, il faut qu'on se dépêche. Voilà. Embrassez-vous, bordel de merde. Bah, oui, non, on va pas avancer. Non, il faut y aller, là. Ouais. Oh bah depuis le début de l'aventure Starac, moi j'ai découvert petit à petit quelqu'un que j'aimais beaucoup. Ça a été progressif. Et voilà, et puis j'espère qu'on se connaîtra mieux à l'extérieur, parce qu'ici tout est un petit peu différent. On sait pas toujours bien tous ce qu'on peut ressentir. Voilà, donc t'es quelqu'un de bien, ça j'en suis certaine, j'ai pas de doute là-dessus. Après, reste à savoir ce que tu penseras de moi à l'extérieur. Et voilà, donc je t'aime. Ben, c'est beau, on a une déclaration, c'est génial. C'est super. À vous. Oh, merci. Rouge, oh, c'est affreux de faire après, ça. Il fallait me chercher.